pour varier un peu les plaisirs, j'ai décidé de faire une petite intro de cette vidéo dans la rue, voilà, ça change un petit peu de la bite. Oh, la vache! Vous avez fait ça pour moi? Putain, c'est sympa, avec une animation et tout, dites donc. Oh bah merci, hein. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. Bon, j'ai un petit aveu à vous faire. En fait, la séquence d'intro, il y avait un trucage. Non, si, c'est dingue. Ouais. Mais comment t'as fait? C'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Ah, les moins dupes d'entre vous, et ils sont nombreux, auront évidemment compris qu'il s'agit d'un tracking d'un élément graphique et donc a été collé sur ce mur. On va voir aujourd'hui comment faire. Ça va impliquer pas mal d'éléments. On va faire un petit peu de Photoshop. Ah bah oui, il n'y a pas que Blackmagic Resolve dans la vie. Il y a des fois Photoshop. On va faire un petit peu de Fusion, un petit peu de Color, un petit peu de tout. Allez hop, c'est parti. Alors cette fois-ci, pour changer, on va démarrer dans Photoshop. Nous sommes ici dans Photoshop. On va créer une nouvelle image à partir de zéro. Ici, je vais faire une image de 2000 pixels sur 2000 pixels. Un joli carré à la base, il est blanc. Là, on n'a pas besoin de ce fond blanc. On va retirer ce calque blanc. Et à présent, on va écrire notre eye d'abord, qui va être séparé de jolis pixels pour qu'on puisse ensuite le formater. Ici, voici mon eye. Alors, la police que j'ai utilisée, c'est une police qui est pas mal du tout pour faire des graffitis. Il s'agit de Sprite Graffiti, à ne pas confondre avec Fanta Graffiti ou Coca Graffiti. C'est une police qui donne des petits effets un petit peu de peinture, qui est donc assez juste pour faire un graffiti. Je vais ensuite faire un deuxième calque dans lequel je vais faire le joli et ensuite à la ligne pixel. Voilà, on repositionne tout ça. Ici, mon eye, je vais le mettre ici. Vous voyez qu'on laisse juste encore l'espace pour placer le cœur par la suite pour aimer jolis pixels. Voilà, ça m'a l'air pas mal. On va à présent chercher un petit cœur. Et pour cela, j'ai une ressource intéressante qui est pngimj.com. Ce sont des images en PNG, donc avec une couche alpha, une couche qui contient de la transparence. C'est exactement ce dont on a besoin. Ici, on va taper art. Hop. Et nous avons des cœurs, plein de cœurs, magnifiques. Et ici, on arrive à un cœur plutôt dessiné, c'est celui qui va nous intéresser, très bien. On clique dessus, on voit la belle couche alpha, très bien. Enregistrer l'image sous, je le mets sur mon bureau. Et ensuite, je retourne dans mon Photoshop, je vais aller prendre mon joli cœur. Et je vais ici aller le positionner pour qu'il soit à peu près de taille, on va dire, proche du reste. Voilà, ici, eye, cœur, joli pixel. Alors actuellement, il a importé le graphique en étant une référence au fichier original, le fichier art.png. Nous, on veut ici qu'il soit pixelisé pour qu'on puisse le retravailler. Donc, on ne veut pas qu'il y ait ce petit picto qui représente que c'est un fichier référencé. Je vais donc, pour cela, aller pixeliser le calque. C'est donc à présent quelque chose que je peux entièrement transformer avec tous les outils de Photoshop. La première transformation que je veux faire, c'est lui donner la même couleur, le même bleu utilisé pour le eye et le joli pixel. Pour cela, donc, je vais utiliser un outil de brosse. Je vais un petit peu l'agrandir, un outil de pinceau plutôt. Je vais un peu l'agrandir. Je vais plutôt prendre un pinceau ici dans les pinceaux généraux, les pinceaux de base. Voilà, assez grand. Mais évidemment, si j'utilise un pinceau, vous voyez qu'on met de la couleur absolument partout. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut mettre de la couleur uniquement sur la partie où il y a déjà actuellement de la matière, donc pas où il y a de la transparence. Donc, on met un verrou sur la transparence et à présent, on peut mettre uniquement sur l'endroit où il y a de la matière. Mais on ne veut pas faire du blanc, nous on veut faire du bleu. Alors on va choisir une couleur, et la couleur, ben on veut que ce soit la même ici que ce bleu-ci. Donc je vais aller sélectionner mon bleu, je fais OK, et maintenant je peux donc avoir un cœur exactement de la même couleur. Par contre, on voit que ce cœur, en termes de traits, il est assez différent du reste. Voilà, cette police, elle utilise un petit peu des traits un petit peu abîmés, comme ça, comme si c'était des coups de pinceau. On doit maintenant reproduire ces coups de pinceau. Pour cela, on va donc aller toujours sur notre cœur et on va aller donner des petits coups d'effaceur. Je vais choisir ici mon effaceur. Je vais aller agrandir autant que possible pour m'approcher du cœur et être plus précis. Et voilà, je vais un peu diminuer l'épaisseur de mon effaceur. Et je vais ici donner, voilà, des petits coups pour un petit peu abîmer tout ça. Voilà, alors au début, j'y vais un petit peu de manière franco. Alors là, je le fais à la souris. C'est vraiment pas évident à la souris. Idéalement, il faut une tablette pour ça. Enfin, une tablette, hein. Allez, je tombe plus sur le mot. Aidez-moi, une Wacom, une tout ça, une palette.
Je sais plus le mot, bref, vous voyez de quoi je parle, c'est le... Voilà, exactement, ça. Voilà, c'est pas dingue de précision, mais c'est suffisant vu le résultat qu'on va obtenir. C'est pas un cœur qui va être très grand dans l'image, ce sera donc tout à fait suffisant. À présent, dans un souci de réalisme, on va essayer de rajouter des petites taches de couleur. Voilà, quand on fait un graffiti, quand on tag, comme si je m'y connaissais, clairement, on fait pas des lettres bien droites, on a des petits sprouts de peinture. Sprouts, terme très technique. Nous allons donc rajouter des petits sprouts. On va créer un nouveau calque, un calque à sprouts. Je trouve le mot tellement joli qu'on va donc forcément l'écrire, c'est un calque à sprouts. Et sur ce calque à sprouts, on va d'abord faire des sprouts de bleu. On a justement notre bleu qui est déjà là, formidable. On va reprendre ici notre outil pinceau, mais on ne va plus aller dans les pinceaux généraux, on va aller dans des pinceaux à effets spéciaux. Ouh. Ici, je prends le premier pinceau à effets spéciaux et regardez tout de suite comme c'est joli. Bim, oulala, j'en ai beaucoup trop partout. On va prendre juste ici des petits coups. On va imaginer, voilà, toute cette peinture qui déborde un peu. Là, on va imaginer que notre tagger a un tout petit début de Parkinson, voilà. Force à tous les Parkinsoniens parmi vous. Et donc, il y a un petit peu de peinture un peu partout. Très bien, voilà. Ça rajoute un petit peu de réalisme. Et on va imaginer que notre tagger, il aime bien aussi saloper un petit peu, que ce soit pas trop clean, c'est hit ou bleu. Il va rajouter un petit peu de blanc. Je vais donc ici aller choisir mon blanc. Comme le stylo. Je vais continuer avec mon pinceau à effets spéciaux, je vais juste le rendre un peu plus petit pour aller faire des petits sprouts de blanc. Voilà, regardez comme c'est joli le sprouts de blanc, voilà, magnifique. Hop, on va un petit peu aller salir tout ça, des endroits où je vais insister un peu plus que d'autres. Ici, voilà, hop, j'insiste. Le but, c'est vraiment de donner un effet plus réaliste, moins lettres bien formées, bien vectorisées qu'on trouve sur un ordinateur. On essaie de rendre ça assez réaliste. Voilà, c'est pas mal du tout, on va à présent exporter tout ça. Alors je vais d'abord tout exporter, sauf le cœur, puisque vous avez vu que sur le cœur, j'ai rajouté une petite animation, il est donc traité séparément. Je vais donc ici faire un export de tout, sauf le cœur. Hop, je save en PNG, puisque PNG est un format d'image qui contient une couche alpha. Je vais appeler ça tout sauf cœur. Je l'enregistre en PNG, toujours pour bien bénéficier de la couche alpha, de la couche de transparence. Voilà. Et ensuite, je fais exactement l'inverse. Je retire tous mes sprouts, tous mes high joli pixels. Je ne garde que le cœur. Et je vais même en profiter pour le rogner. Je ne veux garder vraiment que le cœur. Ici, je vais cropper autour de mon cœur pour ne garder que ceci, et je vais l'enregistrer. Ici, on va l'appeler cœur, tout simplement. Et je l'enregistre à nouveau en PNG. Voilà, Photoshop, c'est fait. À présent, on retourne dans notre meilleur ami, DaVinci Resolve. Et là, mauvaise nouvelle pour ceux qui en ont peur, sachez que nous allons aller dans Fusion. Pour cela, ma tête de lecture au sein de la page Edit, eh bien, au-delà... Oh, putain. Pour cela, ma tête de lecture dans la page Edit, eh bien, au-dessus de ma... Pour cela, ma tête de lecture dans la page Edit, eh bien, au-dessus de mon clip. Donc, si je clique sur Fusion, boum, il arrive dans Fusion. On voit ici mon Media In. Media In, c'est donc mon clip d'entrée. Et ici, mon Media Out, ce sera la sortie finale. La première chose que l'on va faire, c'est rajouter, évidemment, nos deux fichiers. Voilà, on était sur le bureau. On avait d'abord le cœur, tout simplement. Je la rajoute ici, il devient Media In 2, et ensuite j'avais tout sauf le cœur, ce sera le Media In 3. Pour y voir un peu plus clair, je vais aller ici renommer mon Media In 2. Qu'est-ce que c'était que j'avais dit? Je pense que j'avais dit que c'était le cœur. On verra bien tout à l'heure si je ne me suis pas trompé. Vérifions tout de suite d'ailleurs, hop, je le mets dans mon viewer 1, c'est bien le cœur, qu'est-ce que je suis fort. Et mon Media 2, je mets ici que c'est tout sauf le cœur, donc je mets ici tout sauf cœur. À présent, je vais combiner le Media In 2 et 3. Pour cela, je prends ma sortie de node de tout sauf cœur et je mets sur la sortie de node de cœur et ça me crée ici un petit merge. Voilà, on voit que les deux sont à présent mergés. Si je veux voir le résultat du merge, je clique ici sur merge et on va l'envoyer par exemple dans le viewer numéro 2. Je vois ici le résultat. Je refais un peu d'espace dans mon interface et j'agrandis et on voit à présent le résultat. Alors on voit pas bien le cœur puisque pour l'instant il est centré. C'est évidemment pas là qu'on veut. On va donc
donc aller dans Merge et je vais ici choisir mon cœur et je vais aller le repositionner ici. Voilà, ça m'a l'air bien ça. Et c'est là que je me rends compte que j'ai fait un peu n'importe quoi, parce que moi je veux pas un cœur bleu, je veux un cœur rouge. Un cœur c'est rouge, c'est bien connu. C'est pas grave, je retourne dans Photoshop, et ici on va rendre notre cœur rouge. Je vais choisir ici une belle couleur rouge, je reprends ici mon pinceau. On va prendre un pinceau normal ici, et on va bien mettre le verrou sur la transparence, et je vais rendre ce cœur d'un magnifique rouge vif. Très bien. Je vais enregistrer cela, toujours en PNG. Je vais le mettre d'ailleurs exactement à la place de mon cœur, tout simplement. Je fais enregistrer. Je retourne à présent dans DaVinci Resolve. Et là, oh magie, il est toujours bleu. C'est pas grave. Il suffit de faire un reset sur le cœur. Je choisis ici mon node cœur. Je fais un petit reset et boum, il a été chercher le nouveau fichier qui est rouge. On a donc ici notre graffiti à installer plus tard. À présent, on doit s'occuper de traquer notre clip, c'est-à-dire de repérer l'endroit où il y a notre mur, qui est l'endroit sur lequel on va mettre notre graffiti, et de savoir exactement comment bouge ce mur dans l'espace trois-dimensionnel. Tridimensionnel ? Tridimensionnel. Je vais donc aller choisir une image de référence, une image où on voit très bien ce mur. Ici, là, je vois qu'il est assez grand, c'est super. Je vais donc ensuite aller cliquer sur Media In et je vais rajouter mon tracker. Pour cela, je choisis mon sélectionneur d'outils. Je vais taper Track et je vais choisir le Planar Tracker. Je fais Add. Comme mon Media In était choisi, automatiquement, quand je fais Add, il a rajouté le Planar Tracker à mon Media In. Je peux à présent, voilà, visionner cela dans mon Viewer. Voilà, c'est mon Planar Tracker qui est dans le Viewer. Et je vais à présent définir la zone à traquer. Je vais prendre ici le plus possible de mon mur. Voilà, ici, mon mur jusqu'ici. Voilà, on va faire le tour ici du petit poteau. Et on clôture ici en fermant. Mais on voit ici que, par exemple, on a pris le nez et il est très possible que cela prenne d'autres parties qui vont être embêtantes dans le tracking, parce qu'évidemment, si on traque des parties du visage, le visage n'est pas du tout avec le même mouvement que le mur, donc ça risque de ne pas fonctionner. Là, je vois par exemple, si je recule, il y a quand même pas mal ici du visage qui va être dedans, ça va donc poser problème. Mais avant de régler ce problème, déjà, chose importante, je me rends compte que j'ai oublié de cliquer sur le petit 7. C'est vachement important, je l'ai oublié, c'est pas bien. Pas bien, Patrick, pas bien. Je vais donc me corriger, je vais appuyer sur le petit 7 et à présent, bien, c'est bien Patrick, c'est bien. Ça sert à quoi ce petit 7? C'est à repérer l'image de départ à partir de laquelle on va effectuer ce tracking d'abord vers l'avant puis vers l'arrière ou l'inverse. Les deux fonctionnent très bien. Et donc revenons au petit problème qu'on va avoir, qui est que ce visage va un petit peu venir foutre le bordel dans le tracking. On peut avoir tout de suite une petite expérience. Ici je vais traquer vers le début du clip. Et vous allez voir qu'à un moment, ben voilà, mon visage, il le considère, voilà, tout ce qui est en vert, il considère que c'est des points de tracking. Donc ça va évidemment faire n'importe quoi, puisqu'il va considérer que ce tracking, c'est l'équivalent de mon mur qui se déforme. Ça ne marchera donc pas du tout. On va arrêter cet horrible tracking. Je vais retirer tous mes points de tracking. Je vais dire oui, je veux les enlever. Je vais retourner ici à mon image de référence, à partir de laquelle on va traquer, en cliquant sur Go. Et je veux à présent me débarrasser de mon visage dans les parties à traquer. Pour cela, je vais aller dans Media In, donc dans mon clip de départ, et je vais cliquer ici sur un polygone. Je vais rajouter un node polygone. Vous voyez qu'automatiquement, il fait disparaître l'entièreté de mon image, puisque c'est un masque polygonal. Si je veux le voir, je vais cliquer sur Invert, je vais voir toute mon image. Et à présent, je vais faire un petit détour de mon visage. Voilà, ce qui m'intéresse le plus, c'est cette partie-ci du visage. Pour retirer ce visage de la partie à traquer, je vais ici me remettre en invert pour bien voir ce que je traque. Là, j'ai bien le visage. Je vais reculer à présent de quelques frames pour suivre un petit peu mon visage. Là, je vois que je pourrais récupérer plus de précision pour bien suivre le mur. C'est ce que je vais faire. Je vais remonter pour ne pas avoir le haut du visage. Très bien. Je recule encore un petit peu. Là, je vois que mon visage n'est plus dedans. Hop, je corrige. Quelques images avant, c'est bon, on est bon. Ah, de nouveau, on n'est plus bon, je corrige. Bref, je vais pas vous faire tout en temps réel, à présent, accélérer.
Voilà, j'ai créé mon petit masque animé, voilà à quoi ça ressemble. Voyez ici mon masque qui suit bien le visage, ça va éviter de foutre le bordel dans le tracking. Je vais donc pouvoir relancer mon tracking, mais avant de faire cela, je dois évidemment à nouveau inverser ici mon masque, puisque je veux retirer mon visage. Je vais aller dans mon planar tracker, je vais retourner Go à l'image de référence, et je fais mon tracking vers le début du clip. Vous voyez qu'à présent, mon visage étant exclu, il ne prend plus des parties de mon visage. J'ai donc un tracking beaucoup plus propre. Il me semble parfait. Je retourne avec Go au point de référence et je vais traquer jusqu'à la fin du clip. Je vais à présent changer de mode dans mon planar tracker. Je vais ici, mon planar tracker, non plus choisir la partie Operation Mode Track. Ça, c'est l'opération qui nous a permis d'effectuer le tracking. Maintenant, on veut lui indiquer ce qu'on va faire de ses points de tracking et on va faire du corner pin. Voilà, actuellement on ne voit rien puisque je n'ai encore rien relié et je vais donc relier la sortie de mon merge étant à la fois mon cœur et tout sauf le cœur, et je la rajoute ici à mon planar tracker et on voit qu'il est bien à présent là, il est juste mal dimensionné. Je vais aller choisir un endroit où on voit bien mon mur, voilà ici, je vais positionner un petit peu cela en suivant les axes de notre mur pour que ce soit cohérent avec le mur, voilà. C'est pas grave si pour l'instant on a potentiellement le masque qui va cacher des choses, on réglera ça plus tard. Là, si je veux vraiment suivre la ligne du mur, on a quelque chose comme ça. Je vais agrandir un petit peu ici, voilà. Et voyons si ça suit bien comme il faut, on a l'impression que oui. Pour qu'on voit un petit peu mieux ce qu'on fait, je vais d'abord retirer ici notre masque polygone. Voilà, je l'enlève. Revenons au départ et voyons si notre tracking est réussi. Il est pas mal du tout notre tracking. Alors par contre vous voyez qu'on a un petit effet un petit peu bizarre, je ne sais pas si vous l'avez repéré, c'est environ ici, on a tout d'un coup l'image qui saute. Regardez, boum, hop, vous voyez, si je reviens en arrière, là on est bon, et puis tout d'un coup, pouf, ça saute d'un coup. C'est pas une erreur, c'est juste qu'en fait dans l'image, on a subitement eu d'une frame à l'autre la caméra qui s'est déplacée et qui a fait penser au tracker qu'en fait ce point là, il était celui-ci, alors qu'en fait c'est celui-ci. Donc on a un petit peu sauté d'un coup. C'est pas grave, on va corriger ça. Pour cela, on se met ici sur le nœud de merge. On va rajouter un petit nœud de transform. Ce nœud de transform se rajoute donc entre le merge et le planar tracker. Et ce que je veux faire, c'est aller repérer l'endroit où ça saute. C'est donc ici. Donc là, c'est encore bon. Je vais donc ici dans mon transform mettre un petit keyframe de centre. Je passe ensuite au suivant. Et je vais aller repositionner ici au bon endroit, voilà, donc avant, l'image après, on est à présent plus juste, peut-être encore un petit peu plus bas. Voilà, je pense qu'on est pas mal, voyons un petit peu ce que ça donne. Et voilà, la saute a disparu. Comme vous le voyez, on a évidemment le problème du visage qui passe par en dessous, ce qui n'est évidemment pas du tout logique. On va régler ça par après, vous inquiétez pas. Une autre chose que l'on peut régler maintenant, c'est le fait qu'on voit aussi très bien que c'est clairement ici une image graphique qui a été posée par-dessus, il n'y a aucun effet de transparence. Nous, on a envie qu'on ait vraiment l'impression que le I Love Jolly Pixel il soit sur le mur comme s'il avait été tagué. Pour cela, c'est pas très compliqué, on va dans le Planar Tracker, j'ouvre ici mon petit corner pin, et je vais ici dans le Apply Mode, et le Apply Mode, je vais choisir ici Overlay, qui va donc rajouter un petit effet de fusion des deux images, le clip en dessous et le graphique par-dessus, et on voit qu'à présent, ça paraît beaucoup plus réaliste. Si je reviens au départ, vous voyez, on a vraiment l'impression, ici, on retrouve à l'intérieur de l'image, on retrouve ces petits effets d'ombre, de mur. On a la matière du mur, c'est beaucoup plus réaliste. Une chose que l'on doit encore rajouter, c'est le petit effet d'animation dans le cœur. Alors pour cela, on va repérer déjà quel est le bon endroit. Et vous avez fait ça pour moi? On va dire que ça commence ici, qu'à partir de cet endroit-là, on va aller faire une petite animation. Donc cela se passe évidemment à l'intérieur du cœur. Le cœur, il est ici. On va donc rajouter un petit nœud de transform après le cœur, ici, voilà. Et on va aller animer ce nœud de transform. On doit aller à présent représenter le battement du cœur, donc il fait... Je fais vachement bien, je sais. Oh, c'est dingue. Et donc à chaque... On va faire une augmentation de la taille, et puis une diminution, et puis il y a de nouveau le... Et une rediminution, un petit temps, et puis ça recommence. Très bien, faisons ça. Alors, on va imaginer qu'on met un premier petit point ici de size, un petit keyframe de size. On va aller trois images plus loin. 1, 2, 3 images plus loin. Et on va monter la taille
on va la monter à 1,3 environ. On réavance de 3 frames, 1, 2, 3. Et on revient donc ici à 1. On a notre premier battement. On avance de nouveau de 3 frames, 1, 2, 3. On rajoute un keyframe qui ne bouge pas. Ensuite, on réavance de 3 frames, 1, 2, 3. On passe à 1,3. On réavance de 3 frames, 1, 2, 3. On met notre petit 1 et puis on imagine le petit temps entre les deux battements suivants. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on rajoute ici un petit keyframe. On a donc nos deux premiers battements. À présent, on veut boucler ces battements. C'est très simple. On va ici dans la partie spline. Je vais fermer mon inspecteur. Je vois ici les battements que j'ai créés. Voilà. Et ici le point après le temps de 10 images. Je vais aller choisir ici ces points-là. Et je vais prendre ici un petit effet de cette loupe. Et on voit que ça crée une loupe. Donc ça ici, multiplié à l'infini les keyframes que l'on avait. Si vous voulez en savoir plus sur la manipulation des keyframes au sein de Fusion, il y a énormément de possibilités. Vous pouvez aller ici sur la petite vidéo que j'ai faite à ce sujet. Voyons le résultat. Je reviens au début de ma loupe. Et voyez mon cœur. Alors il est un petit peu lent, je trouve. C'est un cœur un petit peu lent. Alors on va aller ici modifier légèrement, je reprends mes keyframes, je vais faire ici un effet de shape box, je vais diminuer la taille de ma shape box. On voit que toute la boucle ci après est modifiée également, étant donné qu'elle se base sur nos keyframes qu'on avait ici. Voyons le résultat. Ouais, c'est plus rapide, ça me plaît bien. Bon, on a fait à présent tout ce qu'on avait à faire dans Fusion, mais il nous reste un dernier problème à régler, et celui-là on ne va pas le régler dans Fusion, c'est le problème du fait que l'image des fois est au-dessus de mon visage. C'est donc pas du tout réaliste. J'ai donc à présent besoin de rajouter une deuxième version de mon visage entièrement détouré au-dessus de l'image. Pour cela, je retourne d'abord dans Edit et je dois créer une copie de mon image. Je fais Alt et je déplace. J'ai donc ici une deuxième copie de mon clip. Mais par contre, attention, sur cette copie de clip, je ne veux pas du tout tous les effets de I Love Jolly Pixel. Je vais donc choisir tous les nœuds que j'ai rajoutés, sauf évidemment le nœud Media In, sinon il n'y aura plus rien. Et voilà, on a donc à présent une image clean. Ça, c'est notre image du dessus. À présent, on veut la détourer. Pour cela, on va aller dans Color, parce que dans Color, il y a le Magic Mask. Et ça, ça porte très bien son nom. On va ici dans Color. Et je vais ici choisir le Magic Mask. Il est ici, cet outil fabuleux. Et je vais lui dire ce qu'il faudra masquer. Je vais simplement ici faire un petit trait sur mon visage pour lui dire que c'est mon visage qu'il va falloir masquer. Je vais ici choisir ce petit bouton-là qui va me montrer le masque overlay. Il me montre ici automatiquement ce qu'il a masqué. Je vais choisir ici le mode Better qui est un meilleur mode qui va vraiment bien choisir. Ça prendra un peu plus de temps mais ça fera le travail le plus défini possible. Et je vais à présent traquer vers l'avant et vers l'arrière. Vous voyez, c'est parti pour un petit tracking. Il suit bien notre image. Et là, contrairement à Fusion, on n'est pas obligé de le faire en deux fois. Il y a le avant et arrière. C'est quand même beaucoup mieux. Ils ont rajouté ça il y a quelques mois. Ce serait quand même pas mal qu'ils l'incluent en Fusion aussi. Hein. Il y a des petites choses comme ça. On se dit c'est dommage. On rajoute ça d'un côté alors qu'on laisse des vieilles versions de l'autre côté. C'est un peu dommage. Voilà, il a fini de traquer mon visage vers l'avant et vers l'arrière. À présent, on veut ne garder que le masque. Pour cela, on va ici faire un clic droit et rajouter une source alpha. Et on va prendre la sortie de mon nœud dans lequel j'ai fait le Magic Mask et je vais le relier à ma sortie alpha et automatiquement ça va créer une sortie. Si on ne le voit pas, ça arrive parfois, mais ça a créé bel et bien une sortie avec une transparente pour tout ce qui n'est pas masqué. Je retourne dans mon Edit et vous voyez qu'effectivement j'ai bien mon masque qui a donc pris uniquement mon visage. Je vais donc réactiver maintenant ma couche de dessous avec tout ce que l'on avait fait avant. Alors ici, on a beaucoup de choses en même temps. On a plein de travail dans Fusion. On a aussi un Magic Mask. Là, ma bécane, qui est pourtant assez costaude, a du mal à suivre. Le cache, alors le cache, franchement, des fois, dans DaVinci Resolve, c'est pas ce qu'il y a de plus top. Il y a des fois, il prend pas. Et là, quand il y a autant, ben, mon cache, il suit pas du tout. Donc, il y a une petite façon de contourner la chose. On choisit ici mes deux clips. Je vais faire un nouveau Compound Clip. Voilà. Et ensuite, je vais faire ici un render in place. Je vais faire donc un rendu de ce compound clip afin de voir le résultat. Je vais le mettre, où est-ce que je vais le mettre? Ouais, simplement ici sur mon bureau. Et je lance le rendu. On se retrouve dans quelques secondes. Et voilà, c'est calculé. Regardons à présent le résultat. Et voyez comme à présent, le visage passe bien devant et ça aide vraiment à vendre l'effet.
puisqu'on a tout à fait l'impression qu'à présent le joli pixel est intégré au mur. Une dernière petite chose que je pense qu'on pourrait encore améliorer, c'est que je trouve que le I Love Joli Pixel est un petit peu net par rapport au reste de l'image, ça sent encore un petit peu le côté graphique. On va donc aller un petit peu salir ça. Je vais ici réouvrir, je vais faire Decompose Tour Original pour revoir ici mon Compound Clip. Je vais ouvrir mon Compound Clip, je vais ici dans Open in Timeline. Je vais ici aller désactiver cette piste pour n'ouvrir que la piste qui nous intéresse, à savoir la piste avec les graphiques. Et à la sortie ici de mon Transform, je vais rajouter ici un petit nœud de blur. Voilà, un petit blur tout tranquille. Ici, dans l'inspecteur, j'ai mon niveau de blur. Je ne vais pas évidemment aller aussi fort que ça, mais rajouter juste un petit peu, voilà, quelque chose comme ça. Voyons le résultat final. Faire une petite intro de cette vidéo dans la rue, voilà, ça change un petit peu de la bite. Oh, la vache, vous avez fait ça pour moi? Putain, c'est sympa, allez. Et voilà, c'est top, on est content. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air, voire même vous abonner, ça me fera plaisir et ça aidera la chaîne à grandir. On se dit bientôt, et puis si vous aimez les vidéos autres, bah y a celle-là, une vidéo de type autre. Voilà. Salut !